YouTube Patrimoine et Fiscalité que je suis ravi d'avoir créé depuis peu de temps, qui a pour objet de diffuser des informations juridiques, fiscales, patrimoniales en matière d'investissement de toute nature et en particulier immobilier. Je me présente Renaud Soulier, je suis avocat inscrit au barreau de Lyon depuis 1995. J'exerce dans le domaine du droit des affaires, de la stratégie patrimoniale et de la transmission d'entreprise. Aujourd'hui, je souhaite mettre un petit focus d'actualité sur la location saisonnière, puisque le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de Normandie, vient d'adopter un décret le 30 octobre 2019, paru au journal officiel le 31 octobre, en vigueur au 1er décembre, en matière d'information donnée par les plateformes numériques à destination des mairies pour contrôler que l'ensemble des bailleurs, que ce soit privés ou professionnels, aient bien déclaré leur activité saisonnière au pouvoir public. Alors, je rappelle que pour louer en meublé LMNP un bien immobilier, il faut avoir fait les déclarations de changement d'usage et de destination auprès de la mairie du lieu d'établissement et que celle-ci a délivré un numéro d'enregistrement, lequel doit figurer sur les plateformes numériques. Et il est fait obligation désormais, à partir du 1er décembre, donc demain, 3er décembre 2019, aux plateformes d'informer annuellement les mairies de la nature des biens qui sont loués, leur remplacement, du nombre de nuitées qui ont été effectuées. Ceci afin de contrôler l'usage de cette activité, de contrôler le nombre de nuitées de façon à ce que les collectivités puissent appeler le nombre de nuitées et les taxes de séjour y afférentes, et de façon à encadrer cette activité qui parfois peut être exercée de manière un petit peu sauvage. Et dans le même temps, il y a une réflexion et une demande de la part des sénateurs consistant à réduire le nombre de nuitées des bailleurs qui sont propriétaires de leur résidence principale et qui, pour arrondir leur fin de mois, parfois louent quelques nuits, jusqu'à 120 nuits par an, leur appartement. Et bien désormais, les sénateurs souhaiteraient réduire ce nombre de nuitées de 120 à 60. Voilà qui est de nature à alerter un petit peu sur l'activité de location saisonnière. Les gouvernements successifs sont focalisés sur cette activité qui génère des revenus conséquents et dont certains, notamment dans le cadre de la réflexion CAP 2022, tendent à considérer que cette activité doit être de plus en plus encadrée. Alors, il y a encore de bons jours, de beaux jours devant soi. C'est vrai que c'est une activité qui permet d'optimiser le rendement brut locatif annuel de manière très très significative et c'est normal que à la fois les investisseurs souhaitent aller sur cette voie-là et que dans le même temps les gouvernements, eux, le pouvoir public souhaitent le réglementer. Alors, il y a une réflexion peut-être aussi à avoir dans la durée sur le fait de dire, plutôt que d'avoir une location saisonnière à haut rendement, mais qui peut être l'objet de beaucoup de tracas, puisqu'il faut un concierge, une boîte d'exploitation, de ménage, de réservation et tout ce qui s'ensuit. Donc pour celui qui n'est pas franchement familiarisé, c'est un réel job, et je peux en parler puisque je suis également investisseur immobilier. On peut se poser la question de comparer cette activité à fort rendement, peut-être sur un nombre de nuitées X par an, versus une location meublée sur un long séjour et qui, pour le coup, est moins contraignante sur un plan réglementaire et en termes de rotation de nuitées. Voilà, donc il y a une éventuelle réflexion à avoir. Moi-même, je m'interroge sur cette faculté, ayant un bien en exploitation, en colocation, qui demande un certain nombre de tracas et de suivi, je pense que je vais passer en location meublée longue durée, de façon à continuer à bénéficier des avantages fiscaux de la location meublée, mais en étant dans une exploitation beaucoup plus pérenne, parce que tout ce temps consacré à l'exploitation est un temps important en plus de l'activité. Et comme tu viens de le constater, je lance cette activité numérique d'avocat en ligne pour donner le maximum de contenu à destination de l'investisseur. Donc, à un moment où effectivement le temps est une denrée très 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 précieuse. Alors,
Merci de m'encourager à faire ces vidéos. Merci de mettre un gros et magnifique pouce bleu en bas de cette vidéo. Je vais te donner les références du décret du 30 octobre 2019 pour que tu puisses t'y reporter et t'assurer que tu as satisfait à cette obligation pour que Airbnb puisse relayer l'information à la ville dont dépend ton appartement. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. On investit ensemble. Belle journée. Merci.